Bonjour tout le monde, c'est Redon, j'espère que vous êtes super bien. Bienvenue pour un nouvel épisode sur Pokémon Infinite Fusion. Et on est au lac colère. Et qui dit lac colère dit Léviathan rouge. Qui dit Léviathan rouge dit Léviathan shiny. Mais j'ai un mauvais pressentiment quand même. Non mais il faut pas déconner, Ce serait bizarre que vous me mettiez un Pokémon Vanilla comme ça en fait. Donc soit c'est un Léviathan rouge fusionné, ou alors c'est un Léviathan normal fusionné avec quelque chose d'autre. Ou alors c'est vraiment un Léviathan rouge. On va voir ça. C'est un Léviathan fusionné avec un Magikarp. La tête de con. Ah putain. Ouais, vas-y, je vais essayer de capturer. Hein. On va essayer. Hein. De toute façon, là, c'est le casque brut hein, qui te fait les dégâts, c'est pas moi. Ok, on l'a eu. Ouais, Pokémon atroce. Ouais, bah oui. C'est. Oui. C'est particulier. Oh! Une pierre qui est gelée. Ok, d'accord. Bonjour. Ce rocher blanc. Je sens une sorte d'énergie à l'intérieur. Il peut être. Imaginons qu'il y ait peut-être une sorte de bonne énergie à l'intérieur. Oh, je suis vraiment désolé. Tu as entendu ce que je pensais. Mon nom est Colress. Je suis un scientifique de la région d'Unova. Ce rocher glacier apparu de je ne sais où. A attiré pas mal de scientifiques de la région. Et je suis venu voir quelque chose de particulier. Et cette étrange énergie m'a sauté aux yeux et. Et je l'ai. Attends, Giant Chase Back. C'est quoi ça? Ah, gros, je viens d'une zone où c'est écrit. Qui est appelé le Giant Chase Back. Je ne sais pas ce que ça veut dire en français. Il y a deux énergies sont apparues d'énergies similaires. Mais selon mes suspicions, ça n'a pas l'air d'être très correct. En effet, je sens que ce rocher peut activer quelque chose, mais je ne sais pas quelle est la clé. Maman, qu'est-ce que ça pourrait être ? Mais je sais pas non plus. Je sais pas non plus. Je peux pas savoir pour Tong. Clairement. Donc, aujourd'hui, programme de ce jour, nous allons continuer la chasse au badge. Et nous sommes à Akajou, donc arène de type glace. Et malheureusement, après, c'est la dernière arène de Johto. Parce que je ne sais pas où sont le reste. Donc, c'est une arène de type glace. Donc, je pense que très clairement, Blatchan peut gérer. Toi c'est foutu. Et en fait clairement ça va jouer entre ces quatre là. Sauf s'il y en a un qui fait de la grêle. Lui il est foutu. Donc clairement c'est avec trois Pokémon que je vais devoir gérer le coup. Eh hey, monsieur le champion Price est utilise des Pokémon de type glace. Si tu veux avoir des. Tu dois marquer des buts. Et gagner des points au score si tu veux pouvoir le challenger. Mais tu as besoin de te préparer pour attaquer. Tiens, prends ça. Oh. Oh. Alors j'ai réussi. Mais c'est pénible. J'ai réussi mais c'est pénible. Donc ouais. Il était un poil long mais c'est pas celui que j'appréciais plus. Les Pokémon vivent beaucoup d'expériences. Ont vécu beaucoup d'expériences dans leur vie. Je les aime vraiment pour ça.
Et toi aussi, tu as dû voir beaucoup de... Et tu as dû voir aussi pas mal de souffrances dans ta vie, toi aussi. Et en tant qu'on aîné, je vais te montrer aussi ce que vraiment ça signifie. J'ai vu beaucoup de gens avec des Pokémon. Et j'ai vu... Attends, putain. Ouais, d'accord, oui. Oui, c'est pour dire, oui, je suis vieux. Je suis vieux, j'ai vu pas mal de jeunes, ils ont échoué. Ouais, bon, ok, d'accord. Intéressant, hein? Intéressant. Elle a pris Sir Wesden, hein? Ouais, bon, ok, d'accord, je ferme ma gueule, mais quand même! Tu ben, n'auras pas d'idée qu'elle a pris cher. Oh, waouh! Ça passe, ça? C'est le combat qui prend, non? Ouais, je sais pas. Crustabritarinorm. Level 65, hein. Ils sont au même niveau que moi. Hein. Là, c'est foutu. Je pourrais pas envoyer... Non, je pourrais pas t'envoyer. Je pourrais pas envoyer mon coco, là. Et ben voilà. Je te donne le badge glacier. Eh ben, si c'est pas merveilleux ça. Hop là. Non, si je fais ça. Non, ça passe pas. Ah non, ça passe pas. Parce que c'est pas là. Ouais, c'est... Il va plutôt être... Comme ça. Alors, je me suis gouré. Je l'ai loupé, hein. Oui. J'en ai loupé un. C'est fâcheux. Ah merde. J'ai loupé un badge. Oh, mais où il est? Y a pas d'arène là. Une arène? Ah bah oui, mais c'est le type... Oui, mais c'est fermé. Oui, il y a le type spectre ici. Attends, mais là, ils me disent que c'est un type combat. Dark me regarde. Darkrai, ok. Putain, ok, d'accord, ici c'est pour Darkrai. Attendez, mais où est-ce qu'il serait? À Bourgeon? Mais ça me dit rien. J'ai pas vu d'arène à Bourgeon. À Ville-Griotte? Il y a une arène à Ville-Griotte? Bah pas du tout. Attendez, parce que là, les mecs, vous êtes en train de me sortir... oui, il y a une arène de type combat. J'ai vu aucune arène de type combat. Moi. Non, puis ici, c'est fermé. Peut-être dans la tour, mais c'est même pas sûr. Non, bah non, y a rien.
Oh. Une pierre volante. Littéralement volée. Ah ouais, là, c'est du Pokémon level 28. Allez, que je vais pas leur casser la gueule. Oh, Galifeu 41. Oh non, quand même, il y a un peu plus de prestige. Un challenger, viens et parle-moi quand tu seras décidé. Mais attends, mais je suis décidé. Attends, je vais monter. Ah! Oh putain! Oh putain! Oh putain! Oh la merde! Ils ont exactement fait le même truc que la tour Chutiflore. Oh la merde! Oh, c'est pas possible ça! Attends, y'a plus rien là. C'est bon. Attends, c'était quoi que j'ai eu là? Ah, pour un Magirève. Y'a rien d'autre? Par ça. Ah ouais, tu m'as tout fait tomber. Ah la max. Bah ouais, bah ok. Bah oui, mais là, je peux rien faire. Je peux rien faire là. Et là... Là, je peux rien faire. Ici, je crois que j'ai le simularbre. Oui, j'ai le simularbre ici. On a le simularbre ici. 60! Genre, c'est normal, un simularbre level 60. Énervé, hein. Très très énervé, hein. Là, vas-y, hein. Si tu veux me blesser, vas-y, hein. Pas de problème. Si je te mets du poison sur ta gueule. Ouais, voilà. Bon, si tu meurs, tu meurs. Hein. Moi, je m'en fous. Hein. Parce que là, oui, mais attendez, là, je vois pas en fait. Donc là, c'est mobile. Ou alors. Ah non, mais attendez, oui, je viens d'avoir une idée. Je viens d'avoir une super idée. Oui, effectivement, si c'est peut-être ça. Maintenant que j'ai plus de badges, je peux peut-être faire plonger. Et continuer mon exploration sur les Isselis. Oui, c'est ça. Euh,
Et toi, est-ce que ça te dérangerait de donner un coup de main pour dégager ça, s'il te plaît? Ok, on y va, 3. 3, 1, 2, 3, pousse. Ok, c'est lourd. Peut-être pousser encore un peu. Et encore un petit peu. Ouais, bon travail. Merci pour le coup de main. Eh, mais tu peux plus remonter. Ah, si. Ok, et là, c'est... Oui, c'est sur ce chaude. C'est ça. Ok, et là maintenant je peux continuer mon exploration. Parce qu'effectivement il y avait pas mal de choses à explorer qui m'intriguaient au plus haut point. Ah oui! Je peux aussi continuer à monter la montagne. Le mont Ombré là. Je sais plus son nom. Effectivement là j'ai plein de choses à aller découvrir. Là, ils ont fait une mise à jour, ils ont changé tous les sprites. Presque tous les sprites de tous les Pokémon. Il y en a et ils sont trop bien faits, trop mignons. Trop mignons. Alors, waouh, alors toi, t'es. Bien que Crustabri, ça ressemble à un vagin, mais alors là, maintenant, vous me mettez ça. Genre, il y a bizarre dans l'eau. Oh oui, non mais prends pas pour un con. Me prenez pas pour un con. Il y a comme par... Waouh, le mec il est tellement gros qu'il est en dehors de la zone. Il y a une zone, ça s'est mis à flotter et puis là ça flotte plus. Ah, on est encore plus bas. Attends, mais je peux aller encore plus bas? Encore? Attends, il y a un truc là. Ah! Nocturne, il veut se foutre sur la gueule, ok. Allez, là, ça me fait peur, là. Ça pue le truc qui vient de tomber sur la gueule, là. Il y a un truc pas cool qui vient de tomber sur la gueule, là. Je sais pas pourquoi. Bah oui, mais là, ça descend encore. Ça descend encore. C'est pas normal que ça descend encore, là. Non mais là, le seul Pokémon qui me fait penser à ça, c'est Kyogre. Wow, les Léviators vénères. Ah ouais, pas de problème, moi je vous calme tous, hein. Ah ouais, moi on peut s'arranger. Ah, pas de problème, moi je vous calme tous, moi y'a pas de problème. Après, Léviator, ouais, quand même. Hein. Attends, mais c'est toujours la même. Ouah, y'a des ossements. Attends, là y'a des ossements. Là je peux remonter.
Non, attends, attends. Attends. Ouais, je laisse venir, comme ça il pop. Attends, c'est juste pour une zone de... Une zone remplie de Léviator. Y a pas une grotte. Oh, c'est littéralement pour une grosse zone remplie de Léviator le haut level. Ok, si je remonte par là. Ah, attends. Ah non, mais c'est la même zone. Ah mais attends, il y avait une troisième zone. Ah, c'est bloqué. D'accord, et là il va y avoir un truc. Donc en fait, la zone avec les Léviators, c'était un piège. Donc ici il va y avoir un truc. C'est bloqué mais on dirait que ça pourra s'ouvrir d'une certaine manière. Et après il y a les cristaux mais sans cristaux mais je peux pas interagir avec. Ok. Et comme par hasard, ici ça flotte, ouais. Le courant est trop puissant. Ouais, d'accord. Oh! Ouais, vas-y. Oh, ok, j'arrive derrière. Attends, attends, il y a une zone derrière le bateau. Ouah, attendez. Là, il y a beaucoup de, choses qui viennent de, s'implémenter là. Ok, on a trouvé potentiellement la zone pour Kyogre. Donc ça, ok. Oh merde. Oh, bah c'est bon, c'est dégelé. Mais là, attendez. On se calme un petit peu là sur les trucs de ce genre. Parce que là il y a encore des coraillons. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Attendez, là il y a beaucoup de choses quand même. Genre des herbes bizarres dans, dans l'eau comme ça. Les mecs, vous êtes bien quoi. C'est pas vrai, je me fais tout le monde. Il m'en fout, hein. Il tient jusqu'au bout. Ou alors poisson roi. Oh. Keen Island. Ah. Une nouvelle île. Alors, air bizarre niveau 13. Alors, pétalogique. Ok. Oui, alors bon, bah ok, c'est d'accord. Il y aura un truc ici. Ça, d'accord. Un chimchar.
Attends, c'est moi qui vient me donner deux starters de Sino? Oui. Oui, elle vient me donner Wistikram et Petit Plouf. Ce troll. D'accord, mais oui, il y a plein de. Ouais, mais attendez, là, il y a plein de choses à faire. Là, il y a plein de choses à faire. C'est insane. Il y a le bois ici. Il y a le. Il y a, oui, il y a un grand bois. Maintenant, je peux monter. C'est vrai que j'avais ça. Oula, Hermure avec. Ouais, je sais pas qui. C'est Hermure avec un Pokémon de je sais pas quoi. Oh! Eh hey, les gars, c'est top secret! C'est une. Ah, tu as tout vu, n'est-ce pas? Ok, c'est une affront classifiée. Écoute attentivement. Le cratère que tu vois est fait par un objet étrange qui est tombé du ciel il y a quelques nuits déjà. Mais on pensait au départ que c'était une météorite. Mais cet objet est une composition que personne, que même une météorite, on n'a jamais vu avant. Après avoir fait quelques tests, nous avons cru que ça faisait partie d'un vaisseau alien. Mais c'est compliqué à y croire, mais je te dis que c'est la vérité. C'est peut-être un débris, mais on ne peut pas l'utiliser pour le moment. Cependant, je pense que le reste du vaisseau, du navire alien, doit se trouver quelque part. Un météore a été reporté à l'origine Johto, à l'est de Doublonville. Il y en a un en Kanto, au sud de. Fuchsia, c'est quoi ? Parmani. C'est que c'est pas Radioxys, ça ? Bah, très bizarre qu'il mettrait une quête comme ça à la con pour Radioxys. Quoique, il faut quand même cascade tout ça. Hein? Je suis où, moi? Eh, mais... Jasmine! Putain, Jasmine, est-il pas si? Elle est là. Oh, tu m'as fait peur. Je suis désolé pour ça. Moi, c'est Jasmine. Un plaisir de te rencontrer. Je viens de... d'Oliville, dans la région de Johto. Mais de base, je suis originaire... Je viens visiter l'île Boon avec ma famille. Et... comment j'ai fait pour arriver dans cette forêt. Je suppose que je devais regarder autre chose et puis mais j'ai perdu mes amis et puis je les ai perdus. Cette forêt me rend nerveuse pour je sais pas quelle raison. Des rumeurs apparemment qu'il y a un Pokémon qui je sais plus, un voleur de Pokémon. Ok d'accord. J'espère, je sais que c'est peut-être un peu trop tôt demandé, mais j'espère que tu accepterais qu'on devienne amis. Et est-ce que tu pourrais m'aider à ramener à rentrer à la maison? Ça peut se faire. Après, c'est quoi ton fameux Pokémon là? Après, dans une forêt comme ça, ou pas? Oh, ça me paraît très bizarre quand même, ou pas? Zoruark! Zorua, Zoruark! Ah, Zorua, Zoruark, ce serait pas trop con. Zorua, Zoruark. Ouais, faut que j'y trouve là-dedans, quoi. Ok, j'en vois un là. Putain, la vache, Cagnon, Machoper. Quoi, cette zone c'est la forêt des combats, c'est ça? Vers le début, même pas.
Ouah, Melofis Mogou. Pauvre bête, mais abattez-le. Faire ça maintenant. Je peux m'emmerder. Le problème, c'est que la zone n'est pas très grande, hein, donc à un moment donné. Oui. Mais. Je me sens mal. Deux, quatre, cinq, merde, il en manque un. Oui, là. Bizarre ça. Un, deux, trois, quatre, cinq et six, sept. Et il devrait en avoir que six entre nous. Sept, mais on est censé être six d'habitude. Peut-être qu'il a mal compté. 2, 4, 6, 1, non, 7. Zoruark. Ah, Zoruark. C'est un bon poké. Histoire que tu prennes les dégâts. C'est pas toi qui vas me tuer. Hein. T'inquiète pas, je vais pas me barrer, t'inquiète pas. Tu voudrais mieux m'attaquer, non? C'est peut-être mieux pour toi. Waouh, c'est une surprise. Je pense que ce Zoruark s'était infiltré dans le groupe pour jouer avec nous. Ok, bon, c'est peut-être. On va peut-être quitter cette forêt maintenant. Plus bagage. Oh. Dévorève. Et jouer à la caravane va disparaître après? Non, même pas. C'était bien, ouais, Zorua et Zoruark, ouais, c'est ce que je pensais. Merci d'avoir trouvé mes... C'est quoi, c'est... Tes neveux, non? Ah, peut-être, ouais. Oh, et tu es un dresseur Pokémon, n'est-ce pas? Je pense que je devrais être... Je pense que j'ai oublié de te le dire, mais je suis en fait une championne d'arène. J'utilise le... type roche. Tu peux tout savoir, hein, on sait tous ce type roche. C'est très très fort, c'est froid, c'est vraiment très très fort. Il y a très longtemps, les gens assumaient. La plupart des gens utilisaient que des Pokémon type roche. Puis maintenant, c'est complètement différent. Mais je suis pas une championne d'arène de cette île. Mon arène se trouve à la région de Johto. Oui, mais. Olivine n'existe plus. On n'a pas vu Olivine. Donc, Champignon Hermure, trop mignon. Le fuseau est trop sympa. Donc là, on a potentiellement. Oui, bah d'accord, Jasmine qui est là. Ah, bah d'accord. C'est ici qu'on s'est promis. Est-ce que tu es prêt? Ah! Ah merde! Ah oui, d'accord. Donc là, je suis prêt à me foutre sur la gueule là maintenant. Ah ouais, non, peut-être pas. C'est sacrifié.
Oh, Forfuret d'Iboré. Sympa. Ouais, c'est pas même musique, quoi, c'est ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. Et donc, attends, j'ai accès à quoi là maintenant comme île? Noctailand. Attends, mais je suis où moi? Oh merde, j'en oublie une! Deux même! Boon Island? Ah non, Deep Océan. Ah non, non, non. Ah si, Boon Island. Ah merde, j'en oublie une. J'ai passé une île. Oups. Oui. Ah oui, j'ai passé cette île là. Ah, c'est fâcheux. Et je suis sûr que le mec de type combat il est là. Donc le type acier est là. Le type combat est là. Il manque qui? Attends. On a éclaté le type vol. Le type insecte. On a éclaté le type normal. Non. Si. Oui. Oui. Si. C'était le premier à faire. Type glace. Type dragon. Il manque le type spectre. Type acier. Petit combat. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Mortimer, Jasmine et Chuck. Je crois que c'est Chuck. Je suis pas sûr. Mais bref, pour ça, on verra ça la prochaine fois. Je vais essayer en off d'atteindre l'île Boon Island là. Je vais essayer de faire ça en off. Mais pour l'heure, on va s'arrêter ici. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez les bagues, le pouce bleu, le partage, le commentaire et l'abonnement, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas bien sûr d'activer la petite cloche si vous êtes au courant des vidéos et des lives, ou sinon c'est très simple, il suffit de checker la description pour trouver le lien du Discord de la chaîne. Sur ce, moi je vous dis donc à la prochaine, c'était Rosso pour servir, à vous studio, ciao.